très, très, très anglais, tout ça. L'église et son cimetière. Un village comme on les aime quand on aime l'Angleterre. Quelques maisons, des fermes, un vieux château. Les chiens admis à l'office religieux. Ici, on oublie ce qui fait le reste du monde. Mais il y a une autre raison de venir à Avebury, où souffle depuis les temps néolithiques un air aussi étrange qu'inattendu. Deux vastes cercles de menhirs traversent le village, sur 400 mètres de diamètre. Bien des pierres ont disparu, mais ce qui reste est très évocateur. Les plus vieilles ont 5000 ans, certaines pèsent plus de 40 tonnes. Le site est plus ancien que celui voisin de Stonehenge. Ce site n'est pas le seul. À quelques kilomètres, la silhouette du plus haut tumulus d'Europe en impose. Haut de 40 mètres, vieux de 4750 ans, on a calculé qu'il aurait fallu 15 ans de travail à 500 hommes pour l'édifier. À compter du XIIe siècle, plusieurs campagnes de fouilles ont été menées. Mais le tumulus n'est qu'une montagne de craie dont on cherche encore quel pouvait être l'usage. À proximité, il est aussi possible d'atteindre, en plein champ, la porte d'un tombeau vieux de 3500 ans, dans lequel les archéologues ont trouvé 46 sépultures d'hommes, de femmes et d'enfants. Partons maintenant à la rencontre de ce sud-ouest anglais, si proche de nos Hauts-de-France et si méconnu. Villages cosy et villes anciennes s'égrènent au hasard des itinéraires. Logements chez l'habitant, bières ou cidres appréciées avec lenteur dans l'atmosphère inégalée des pubs. C'est à Malmesbury, petite ville de guerre plus de 5000 habitants, que nous vous proposons de découvrir un des événements oubliés de l'histoire. Notons au passage cette croix de marché, une des plus belles d'Angleterre, dit-on, orgie d'arcs-boutants, de crénelures et de pinacles, qui n'a subi aucune modification ni dommage depuis 1490. Et entrons dans l'ancienne abbaye, devenue église paroissiale. Table pour pique-niquer, espace réservé aux enfants, bibliothèque, vous vous étonnez? Vous êtes en Angleterre. Mais sans un visiteur bien aimable, nous serions passés à côté d'un vitrail ignoré de tous les guides, consacré à un dénommé Elmer, moine bénédictin du XIe siècle, représenté tenant entre ses mains un appareillage de sa fabrication on ne peut plus révolutionnaire pour l'époque. Deux siècles avant Léonard de Vinci, Elmer avait conçu des ailes et avait osé s'élancer de la plus haute tour de l'abbaye pour prouver que l'homme, avec l'aide de Dieu, pouvait voler. L'histoire nous dit qu'il se brisa les deux jambes, mais surtout qu'il atteignit le marché à plus de 200 mètres. Elmer ne recommença point et la grande histoire l'oublia. Avec ses 10 000 habitants, Wells est considérée comme la plus petite cité d'Angleterre. Médiévale et gothique, elle est surtout visitée pour sa cathédrale. Les travaux ont duré de 1175 à 1508. La façade, impressionnante, est particulièrement sculptée. On y compte pas moins de 300 statues, dont la moitié grandeur nature.
Certaines représentent des scènes bibliques. Autrefois peintes et dorées, elles apparaissaient, dit-on, comme un magnifique et immense manuscrit enluminé que tout à chacun pouvait lire. On y entre par la galerie du cloître. À la richesse extérieure répond un intérieur des plus somptueux. Arcs renversés, en ciseaux, croisées d'ogives quadripartites, voûtes en étoiles, c'est un vertige de pierre qui surplombe une solennelle nef centrale. Dans les années 40 à 50 après Jésus-Christ, les Romains envahissent l'Angleterre. Ils ne tardent pas à s'intéresser à un lieu de culte celte près de sources d'eau chaude et y construisent des bains. Un premier complexe thermal qui prendra une importance considérable, mais qui sera totalement abandonné après leur départ 5 siècles plus tard. Il faudra attendre le 12e siècle pour que de nouveaux bassins curatifs soient construits. Mais c'est surtout au 18e que les thermes prirent leur allure actuelle. Une reconstruction à la hauteur de ce qu'avait été la ville au temps de Rome. Les thermes ne sont pas les seuls attraits de base. Il y a bien sûr son abbaye. Fondée sur un ancien monastère bénédictin du 7e siècle, ses 891 dalles en pierre et ses 635 mémoriaux ornant les murs se parcourent comme un livre ouvert sur l'histoire de la contrée et de ses habitants. Dotée de vitraux remarquables, retraçant côté est en 56 scènes la vie de Jésus, voyez ces expressives représentations de la tentation, et côté ouest, les 5 premiers livres de la Bible, ainsi une évocatrice arche de Noé, ou, issue comme nous le savons d'une côte d'Adam, une Ève languissante. C'est en ces murs qu'eut lieu, en 973, le couronnement d'Edgar, premier roi d'Angleterre, décrit comme doux et aimable, qui n'aimait pas la guerre. On l'appela Edgar le Pacifique. Le déroulé du sacre est à la base de l'actuelle cérémonie anglaise du couronnement. Bath est une ville d'art. Au fil du temps, les architectes en firent la ville la plus avenante, la plus originale d'Angleterre. Maisons élégantes aux façades monumentales, colonnes ioniques, places circulaires. Il ne faudra pas oublier, pour clore la découverte de Bath, de visiter la maison de Jane Austen, femme de lettres dont les romans sont devenus de grands classiques. Une plume alerte, nouvelle pour l'époque, appréciée pour sa critique sociale, son ironie et son humour décalé, qu'un musée restitue avec bonheur. Jane Austen, dont la vie inspira de très nombreux films, le dernier très attendu Emma, devait sortir
en mars 2020. La cathédrale de Salisbury a été construite à la grande époque de l'art gothique anglais. La plus grande en tout cas, avec sa flèche haute de 123 mètres. Également ancienne abbaye, c'est donc par un grand cloître qu'on y accède. C'est, dit-on, la cathédrale la plus harmonieuse de toute l'Angleterre. L'horloge mécanique, datée du XIVe siècle, n'a pas de cadran. Elle n'était pas là pour marquer le temps, mais pour rappeler aux moines l'heure de la prière. Il ne faut pas manquer la salle capitulaire, un triomphe de style. Les chanoines s'y réunissaient pour délibérer des affaires temporelles ou pour les discussions théologiques. Tout autour, des sculptures de visages espiègles comme pour se moquer de ceux qui avaient commis quelques fautes et qui recevaient ici leur pénitence. On y expose également une des quatre copies originales de la Magna Carta, datée de 1215. Un texte rédigé et imposé par les barons anglais au roi Jean sans terre qui les écrasait d'impôts. La postérité verra dans ce texte la première limitation imposée à l'arbitraire monarchique et l'amorce de la démocratie moderne. La Grande Charte, qui est conservée au British Museum de Londres, est encore de nos jours le fondement des institutions britanniques. Winchester sera notre dernière visite. Première capitale d'Angleterre, elle a le charme d'une ville de province, avec ses pubs et son caractère médiéval. Dans le château du XIe, un panneau de bois, peint en 1522, représente la table ronde du roi Arthur. Le roi, assis sur son trône, est entouré des noms de ses meilleurs et légendaires chevaliers. Rappelons que la table est un symbole de paix et d'égalité, car il n'y a pas de préséance autour d'une table ronde. Bâtie en pierre de l'île de Wight, trapue avec sa tour carrée, c'est la cathédrale la plus longue d'Europe. Construite sur un sol meuble et avec des soubassements en bois, elle se serait effondrée si, au début du XXe siècle, d'importants travaux n'avaient consolidé l'ensemble des fondations. Nous étions un jour trop tôt pour le concert du lendemain, mais pour notre bonheur, les grandes orgues répétaient. Et il y avait, une fois de plus, beaucoup à voir et à apprendre. Décidément, les cathédrales anglaises sont de véritables musées. Cathédrale royale, donc. Pour cette particularité d'avoir préservé des centaines d'ossements
dans six coffres qui entourent toujours le cœur. En 2012, un projet de datation au carbone a été lancé, associé à des recherches génétiques, dans le but de faire correspondre les restes avec pas moins d'une reine, 8 rois et 2 évêques. 1300 os ont été répertoriés, datés du XIe-XIIe siècle, et 23 squelettes partiels ont été reconstitués, dont ceux de 2 adolescents. La cathédrale espère devenir le premier mausolée royal officiel. C'est aussi un centre majeur de l'enluminure romane. On peut y admirer une Bible de grande taille. Commencée en 1150, inachevée, elle présente des enluminures de style italo-byzantin exceptionnels. Les noms des artistes se sont pour la plupart perdus dans la nuit des temps. Jane Austen a fini sa vie à Winchester, où se trouve son mausolée. Le corps est sous la cathédrale. Qu'une femme ait bénéficié d'un privilège pour être enterrée ici peut paraître étonnant à cette époque, d'autant plus qu'il n'y a eu aucune allusion à ses œuvres. Les temps ont changé, il paraît difficile aujourd'hui de passer et d'ignorer la romancière. C'est la statue très inattendue de Jeanne d'Arc qui nous surprendra le plus. Mais que faisait donc Jeanne d'Arc chez les Anglais, qui plus est dans une cathédrale? Le peintre Delaroche a représenté le cardinal, justement de Winchester, Henri Beaufort, interrogeant Jeanne dans sa prison. Une contre-vérité historique d'ailleurs. Mais c'est bien ce même personnage qui s'est déplacé à Rouen pour assister au supplice de Jeanne, exigeant que son corps soit 3 fois brûlé pour qu'il n'en reste rien. C'est un donateur américain, en 1920, qui offrit l'œuvre. Le tombeau du cardinal n'est pas très loin. Alors, Jeanne, pour l'éternité, face au tombeau de son accusateur? Le cœur de la cathédrale est tout simplement extraordinaire, par sa richesse de détails et son exceptionnelle conservation. Il date du Moyen Âge. Il a fallu plusieurs siècles pour bâtir la plupart des cathédrales d'Europe. Il aura fallu presque 4 siècles pour que la cathédrale de Winchester soit achevée. Sous la volonté d'architectes initiateurs et conquérants, des centaines de corps de métier ultra qualifiés ont su développer un art de travailler ensemble et ont su transmettre aux générations d'après leur savoir-faire. C'est ce que les penseurs médiévaux ont appelé l'éternelle sagesse. Offrons-nous une ultime réflexion à propos d'une sagesse qui n'a rien perdu de sa vérité.